Ces complaintes viennent des chauffeurs communément appelés taximen de la ligne Mwangeji Mors, centre-ville Mwangeji. Une situation que dénoncent les victimes de la tracasserie des agents de la mairie de Kolwezi. Le danger est devenu permanent pour nous les chauffeurs et difficile de travailler normalement étant responsable de famille. Nous n'avons rien de problème, il y a tracasserie. La tracasserie est devenue pénible. Quand on précise sur le taxe à payer pour que chacun de nous puisse éviter ces tracasseries, ces agents ne sont pas identifiés, les PCR sont identifiés, des peurs d'avoir les intrus dans nos véhicules. La tracasserie est devenue abondante. La crainte est de tomber sur les voleurs des véhicules. Disséminés dans différents endroits pour percevoir le taxe, les agents seraient accusés de tronquer des paisibles citoyens. Ces victimes plaident pour l'implication des autorités compétentes avant que le pire n'arrive. Que les agents de la mairie aient des tenues pour les identifier correctement. Qu'on atténue les mesures, car ça ne va pas. Qu'on place les arrêts des bus, cela peut pallier à cette situation. 250, 200 000, voire même 150 000 francs congolais et les montants infligés aux chauffeurs.